Thank you, Mr. President. Let me just reiterate in case it didn't get caught. NUON Che's counsel himself acknowledges this is a legally interesting, complex issue. And because of that, it seems to me this is a matter that should be briefed before any final decision is made. The question of whether you are going to proceed to try to bring him back to this courtroom is a different question. I understand you decided that this is a decision we haven't seen. It's a separate issue as to what happens to his testimony. And let's not forget, we're not just talking about his testimony in this courtroom. This is someone who has a lengthy DC cam interview that has been admitted and that isn't in evidence. How we deal with all that seems to me is something that should be briefed by the parties, since we're hearing even from the defense team's different views on what the court should do. Let me say that this is a very unfortunate situation. That this civil party refuses to appear. Something should be very clear, though. Mr. Cope started his presentation by saying that Mr. Sarsaran was summoned to testify. The fact of the matter is that we had this argument in the first trial. We asked you to order the civil party to return. You concluded that you did not have the authority to compel Because this person, assuming that nothing changes, and he is not cross-examined by the defense, we certainly agree that his statements, his testimony in this court, and his prior DC cam interview that's in evidence, has to be treated as an out-of-court statement. That was not subject to cross-examination by the accused. That much, I think, we certainly agree with. For parties who are not cross-examined, the court has a very detailed decision as to the circumstances in which that evidence can be considered. Limited weight, and with respect to evidence limiting to the role of the accused, it cannot be considered unless the witness is considered unavailable. So there are standards in the decision already in place, we believe, as to how to deal with this. The specifics of the circumstances of the civil party, however, I think would benefit call for some briefing from the court. We have not had the opportunity, for example, to research. If a person who the court has no authority to compel to testify refuses to appear, is that a circumstance that makes him unavailable under the standards that the court has set? I don't know the answer to that. We haven't had a chance to see if there's any precedent for that or not. But that is the type of issue that I think should be subject to legal briefing. But we certainly are in agreement that if this person is not subject to cross-examination, all his evidence has to be treated as an out-of-court statement. Thank you, Mr. President.
Merci, Monsieur le Président. Je vais faire quelques observations qui vont être guidées par le principe de prudence, car il s'agit d'une question délicate. Nous n'avons pas eu la possibilité de faire des recherches. Donc je vais simplement répondre à la requête de notre confrère Copé de la manière la plus précise possible. En indiquant à titre liminaire que nous n'avons pas de doute que la Chambre saura appliquer les règles du droit à un procès équitable et notamment le droit des accusés à confronter les témoins à charge, tel que ce droit a été rappelé et expliqué par la Chambre suprême dans sa récente décision dans le paragraphe 287. Sur la première proposition de notre confrère de faire reciter la partie civile, il me semble clair qu'il est impossible de contraindre la partie civile à venir témoigner dans cette chambre. Notre position est claire. De ce côté-ci de la barre, c'est la partie civile qui perd une chance de venir présenter son témoignage devant cette salle d'audience. Donc en refusant de venir témoigner, se prive de la possibilité de venir contribuer à la manifestation de la vérité et aussi expliquer son préjudice et les raisons pour lesquelles il est devenu partie civile. Donc sur le premier point évoqué par notre confrère, il me paraît impossible pour la Chambre de contraindre la partie civile à venir déposer à la barre. Tout à fait d'accord avec notre confrère Copé pour dire qu'il y a des différences fondamentales entre les systèmes de common law et de civil law. Il me paraît dès lors impossible de suivre la voie que vous propose notre confrère Copé et de d'effacer proprement et simplement le témoignage de la partie civile, quand bien même celui-ci n'est pas arrivé à son terme, ce témoignage fait partie des transcripts d'audience. La question est de savoir comment la Chambre utilisera ces informations et si la défense estime que ces informations ont été utilisées de façon indue ou excessive, cela ouvrira un droit d'appel à la défense. Mais je ne vois pas comment on peut supprimer purement et simplement des transcripts d'audience, un témoignage public qui a eu lieu dans cette salle. Donc, de notre point de vue, le témoignage fait partie des transcripts. Ce débat oral permet à la Chambre de connaître la position des parties et notamment de la défense qui considère que l'ensemble du témoignage de Sangsarin doit être mis de côté dans le cadre de votre délibéré. Il vous appartiendra à vous de prendre votre décision en âme et conscience et de voir comment vous utiliserez ce témoignage. Possibilité sera ensuite faite à la défense de faire appel si elle estime que vous êtes allé trop loin dans l'utilisation du témoignage de Sangsarin. Je ne vois pas comment on peut faire autrement que suivre ces quelques principe que je viens de rappeler. Maintenant, encore une fois, nous nous en rapportons à l'appréciation de la Chambre et nous sommes, je l'ai souvent dit, durant ces deux années de procès, mais je le redis, nous sommes très attachés au respect des droits de la défense et à cette condition aussi que les parties civiles trouvent une forme de réparation dans le procès qui est en cours. Donc, aucune concession sur l'application des droits de la défense ne doit être faite par votre chambre et nous nous en rapportons à votre appréciation. Before this
Mình về để dừng cuộc gặp với Pisa về chừng ngày nước nhâm trăng sông Pì Pì bên đất đồng bay với Pisa nơi khnông khnông bậc xa chỉ cầm sân.
Anh chưa được cầm sang mặt là vậy. Oui, merci Monsieur le Président. Sơ mô côn lô bà thiên. De laisser la parole. J'aimerais avoir des explications de la part des co-vocats principaux pour les participants et peut-être de l'avocat de M. Sarsarine. Ce que je veux dire, c'est que M. Sarsarine, au jour d'aujourd'hui, entend maintenir sa constitution de participer parce que vous voyez que son attitude est un peu incohérente pour une partie civile. Et est-ce que l'avocat de M. Sarsarine a été en contact avec son client? Est-ce qu'il peut nous dire exactement ce qu'il entend faire? D'un côté, il n'entend pas assister la chambre. D'un côté, on peut se poser des questions pour savoir est-ce qu'il entend toujours se prévaloir sa constitution? Est-ce que vous avez des informations claires à nous communiquer à ce sujet-là? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Jean Ferne, je vous fournis une réponse partielle, puisque l'avocat de Sarsarine n'est pas présent. Je crois que dans le rapport de Louis, vous avez les différentes conversations téléphoniques entre la partie civile et son avocat qui ont été mentionnées. Donc l'avocat est en contact avec la partie civile et Sarsarine. Si vous le souhaitez, nous pouvons prendre contact avec lui à la pause. Je parle de l'avocat, Van Dung, pour qu'il éventuellement puisse vous répondre directement. La question doit être clairement posée à M. Sarsarine et bien sûr, nous aimerions avoir une réponse le plus tôt possible. Merci, M. le Président. Nous avons une question de Khmer. Je pense que ça peut aussi avoir une importance pour le débat qui pourrait s'en suivre. Merci, M. le Président. Oui, M. le Président. I cannot cite specific paragraphs, but what I can say is that we submitted numerous, but I can't fully read ខ្ញុំមិនអាចអានន័យសាលដីកាដបអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពុជាច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែវាដូចខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាសាលដីកាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកទីនេះខ្ញុំផ្ដោតផ្ដាងទុបីថាគាត់ផ្ដោតឬក៏មិនផ្ដោតក៏ដោយហើយ ហើយប៉ុន្តែបុគ្គលនេះផ្ដល់ឲ្យទៅបីថាគាត់ជាដើមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យឬក៏មិនមែនក៏ដោយគឺថាផ្ទាំងនេះគឺអាចជួយដល់សារដូចជួយដល់ការសម្រេចទៅលើព្រឹត្តិភាពបានវិជ្ជាពិតថាដើមរដ្ឋវិនិច្ឆ័យមិនអាចក៏ហៅមកបានមិនអាចបង្ខំឲ្យមកបានប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះនៅតែមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកោះហៅបុគ្គលណាម្នាក់ដែលខ្លួនយល់ថា
mean sara samkhan bottom line is one away the khem chang banjia ke tha civil party testifies materially ne pe da dam bdang rot pven ni pada sakhai kam ampi aikasa por mean ni ne ke kot ku ta chat tuk tha chea sa sai is volunteering to I believe that is only true. Person ba jeung nijey ampi panha tha dam bdang rot ve ni kot mean sit khong ka smak chet ma ruk mon ma nu ve ai mean phal pa poal but if he testifies again materially then the person ba kot mok phdal phos tang mok phdal sakhai kam chea aikasa phos tang ruk chea phos tang nu keu kot kua tra ban chat tuk tha chea saksai Merci, Monsieur le Président. Deux points en réaction. Il a rebondir sur ce que vient dire mon confrère Copé. Et je pense que c'est peut-être parce que nous avons pour le coup un fossé de culture juridique. Mais pour moi, il est très clair que ça revient aussi à rebondir sur la question de Monsieur le juge Lavergne. Une partie civile n'a jamais été obligée à témoigner devant une quelconque juridiction si elle n'a pas envie de venir, si elle ne veut pas témoigner. À partir du moment où il y a une constitution civile, à partir du moment où elle est représentée par un avocat, la chambre ensuite tire les conséquences de l'absence de témoignage, mais ça n'a pas de avoir d'incidence sur sa constitution de partie civile. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment sur la valeur probante des informations qu'elle aura données à la Chambre sur les conséquences à tirer sur les autres éléments qu'elle aura donnés. Donc ça, pour moi, c'est très clair. Venant d'un système où on a l'habitude d'avoir des parties civiles, la question de est-ce que je maintiens mon statut de partie civile parce que je ne témoigne pas n'a même pas raison d'être. Donc, pas la question. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, parce que ça y convient aussi de le clarifier, c'est vrai que nous n'avons pas encore de décision de la Chambre sur le sujet. Mais quand même, la raison qui nous amène à avoir cette discussion aujourd'hui, c'est d'abord un mail du juriste hors classe de la Chambre en date du 29 novembre 2016 à 8h58 du matin, où, en réponse aux interrogations de l'équipe de NUON-CHEA, voilà ce qui nous a été dit en anglais. Je cite, « The trial chamber has decided to drop the civil party. The reasons will be given in a forthcoming decision. » Fin de citation. Donc, c'est vrai que « drop », je ne sais pas comment on le traduit de façon juridique, mais enfin, moi, j'ai bien compris qu'elle n'entend pas continuer à longtemps et que, du coup, c'est la raison de nos observations de ce matin. Puisque la Chambre n'entend pas continuer à entendre la partie civile et qu'elle le drop, qu'elle le laisse tomber de la liste, c'est la Chambre qui aura clarifié. Mais quand même, il me semble que la décision a déjà rendu une décision à ce sujet et qu'il convient qu'on en tire les conséquences. Donc pour moi, la question même d'un ratail forcé ne se pose évidemment pas puisque c'est une partie civile, mais elle se pose d'autant moins que la Chambre a déjà décidé, en tout cas c'est ce que son juriste en classe nous a dit, de drop. Je vous dis la position de la défense est très claire et elle est d'autant plus réaffirmée. On a passé quand même un temps infini, que ce soit sur 02/1 ou sur 02/2, à traiter les différentes volte-face de la partie civile sur les témoignages qu'elle veut ou qu'elle ne veut pas donner à la Chambre, et que dans ces conditions, il faut qu'on arrête de perdre du temps supplémentaire et qu'on mette simplement de côté ces déclarations, qu'aucune des parties ne puisse l'utiliser, que la Chambre ne puisse pas l'utiliser dans le cadre de son délibéré. C'est très clair. Merci, Monsieur le Président. Deux points en réaction. Le premier point, c'est que le juriste hors classe de la Chambre នៅរាល់មតិយោបល់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទាំងពីរអង្គជំរះសម្រេចដូច្នេះចំពោះបញ្ហាទី 1 គឺសំណើរបស់សហវិញ្ញាសូមដាក់បង្ហាញដាក់ឯកសារចំនួន 3ធ្វើជាឯកសារភស្តុតាង
ដោយតាមមតិភិជ្រើនគឺនៃអង្គចក្រមអង្គជំរះសម្រេចថាសូមឲ្យដោយសារបញ្ហាទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងអង្គហេតុរឿងហេតុនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីនួនជាដែលលើកឡើងពីបញ្ហានៃការប្រើប្រាស់ភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលបានផ្ដល់ដោយតម្រឹងរដ្ឋប្រនីសន្តិសុខទៅដល់ការពីថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2016ដោយតាមមតិភិជ្រើនគឺនៃអង្គចក្រមអង្គជំរះសម្រេចថាសូមឲ្យដោយសារបញ្ហាទាំងផ្ល
ចាំមកដល់ទៀតចៃលួយនិយាយច្បាស់ខ្ញុំឃើញចៅក្រុមនៅចិត្តខ្ញុំនឹងដូចជាខ្ញុំនេះនិយាយអត់ត្រូវសោះមកខ្ញុំនិយាយពីឡមកនេះមិនដែលត្រូវហ្មងដូចឡាយតគាត់មួយដែរនេះដូចមិនឃើញមិនត្រូវនិយាយមិនដែលមិនត្រូវនិយាយនឹងគាត់ជះជួលជះជួលនឹងយ៉ាងម៉េចឥឡូវនឹងសម្រេចឲ្យភាគីដាក់សារណាជាលិលាអសលើបញ្ហានេះ Excusez-moi, Monsieur le Président, je veux pas revenir sur le sujet, c'est juste une question de clarification pour que nos écritures soient complètes et qu'on puisse savoir exactement sur quoi nous devons intervenir. Nous devons savoir quel est le raisonnement de la Chambre pour drop ici une partie pour savoir sur quoi exactement nous devons porter l'ensemble de nos écritures, sinon on est un peu dans le brouillard. តាមខ្ញុំចាំគឺជាភាសាខ្មែរខ្ញុំមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាឬក្តីតម្រិះថាដកគាត់ទេគ្រាន់តែប្រជុំផ្ទៃក្នុងទេដល់ពោះភាសាអង់គ្លេសថាដកនោះគឺខ្ញុំមិនដឹងទេទី2ចំហររបស់ខ្ញុំទីប្រធានសមាការពិតណាស់គឺដកដាច់ខាតដកត្មងមិនយកបញ្ហានេះមកដោះស្រាយ ទៀតទេថាដកមិនដកអីនេះគឺមិនទេព្រោះយើងបានប្រជុំឯកភាពគ្នារួចហើយខ្ញុំមិនផ្លាស់ប្ដូរចំហនេះទេទោះបីជាក្រុមផ្សេងទីផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយប៉ុន្តែបញ្ហានេះគឺបញ្ហាដែលលើកឡើងដោយវិទ្យាកូពេគឺត្រង់ថាសក្តិកម្មរបស់សោតរិនដែលបានផ្ដល់រួចហើយនេះយកធ្វើជាភស្តុតាងសម្រាប់ជាមូលដ្ឋានសរសេរសារក្រមបានដែរឬអត់ ជាពិសេសគឺភស្តុតាងដាក់បន្ទុកដែលគាត់ដាក់បង្ហាញនេះបញ្ហាគឺចោតឡើងត្រង់ចំណុចនេះទេចំពោះបញ្ហាផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺជាបញ្ហាលើកឡើងអមិញទេវាមិនមែនជាមូលបញ្ហាដែលជាការលើកឡើងរបស់ភាគីដែលមកចាស់សំណើទេដូច្នេះឲ្យម្ចាស់សំណើមកដាក់ម៉ាស៊ីនថាគាត់មានបញ្ហាអីអញ្ចឹងភាគីផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធគឺ យោងទៅលើសំណើសារណាជាលិលាអសររបស់ភាគីដែលមានបញ្ហាគឺទៅសេឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប៉ុណ្ណឹងឯងបើសិនជាមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតគឺដោះស្រាយផ្សេងទៀតឬក៏ដោះស្រាយបន្ថែមបាទសកម្មភាពនៅថ្ងៃនេះដល់ពេលឈប់សម្រាកហើយដោយសកម្មភាពនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅបានឆាប់រហ័សនិងមិនមានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវិនីនិងសាក់សីបំរុងទីនោះ ដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចសហការសកម្មភាពត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកអង្គសក្តីពិនិត្យភស្តុតាងលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃខានស្អែកថ្ងៃសុក្រទី 9 ខែធ្នូឆ្នាំ 2016 ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 9 ព្រឹកទៅហើយសកម្មភាពនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី 9 ខែធ្នូអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់លិខិតកម្មសាក្សី PTCW
971 តាមរយៈប៉ុតប្រព័ន្ធសោទស្សន៍ពីខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលឡែកថ្ងៃស្អែកអង្គថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2006អង្គជំនះនឹងធ្វើការប្រជុំរៀបចំសកម្មភាពសូមភាគីជ្រាបនិងអញ្ជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះ ហើយប្រកបឲ្យអន្តរាគមន៍ទីឃុំឃាំងនាំខ្លួនជនជាតិចោតទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនៅប្រកបឲ្យនាំខ្លួនក៏ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016ឲ្យបានមុនម៉ោង9ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមចេញក្រោកឈរ